Salut les gars, une nouvelle vidéo toujours et encore aux Electric Games. Et oui, ma série de vidéos aux Electric Games. Ça s'est déroulé le 17, 18 et 19 juillet. Si vous n'y étiez pas cette année, je vous invite à venir nombreux en force l'année prochaine. Donc je vous ai fait le tour de tous les exposants qui étaient présents aux Electric Games. Et bah, qui c'est que je rencontre là aujourd'hui, dimanche, aux Electric Games? Les Ito Espagne, les deux frères Ito Espagne. Bonsoir, tu t'appelles comment? Ramon. Ils sont très connus sur le groupe Ito Club. Vous savez que nous, on a été les premiers il y a très longtemps à faire des prototypes bimoteurs. On les a demandé à Ito France à l'époque de faire des bimoteurs. Mais nous, c'était vraiment du bricolage. On voulait vraiment qu'une boutique des professionnels crée une Ito compacte, légère et avec deux moteurs. Et Ito Espagne sont les seuls en Europe à proposer ces modèles Ito bimoteurs avec deux moteurs, ce qui permet d'avoir des capacités de franchissement énormes et un poids ultra réduit. On va vous parler maintenant de ces fameuses Ito. Hein. Elles me touchent vraiment. C'est ma toute première trottinette. J'ai commencé avec une Ito. J'ai bricolé avec une Ito. J'ai appris avec une Ito. La base de la trottinette, en fait. Qu'est-ce qu'on cherchait à la base dans une trottinette? C'est qu'elle soit petite, légère. Bon, on a des gabarits comme moi, 100 kg. Un seul moteur, ça suffit pas. Donc, on voulait toujours avoir une trottinette légère, mais avec deux moteurs. Et Ito Espagne l'a fait. Et la commercialiser surtout. Voilà ce que je voulais dire. Donc bravo à vous deux. Il y a eu pas mal d'améliorations en fait au final. Donc celle-là, c'est le dernier modèle, c'est ça de chez Ito. C'est celle-ci. Celle-ci, le dernier modèle de chez Ito. Donc là, ils ont rajouté un deck large. Donc d'ailleurs, hein, c'est votre site, c'est ça. La deck, ouais, c'est notre grande marque. C'est votre grande marque de distribution. Ouais. Donc c'est sur Ito. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le site internet de Ito, hein, ito.es. Même s'ils sont basés en Espagne, il n'y a aucun souci. Ils peuvent vous livrer votre trottinette en France, hein, bien sûr. En France, en Belgique, en italien. En Italie. Parce que je dis ça, pourquoi italien? Parce que j'ai les sous-titres. Je vous fais les sous-titres dans toutes les langues. Vous êtes beaucoup en Italie à me remercier, au Portugal, à me remercier de faire ces sous-titrages. Donc oui, vous pouvez prendre ces petites trottinettes légères bimoteurs qui passent partout chez Ito Espagne. Vous n'aurez pas de problème de douane, c'est l'Europe grâce à ça. Si vous avez un numéro de TVA, les petits malins, vous pouvez bénéficier d'acheter ces Ito chez Ito Espagne. 21%. Avec 21% de moins. C'est encore mieux que le code Jeff Ride avec moins 5%. Là, vous allez avoir des Ito en Espagne à moins 21% bimoteurs. Que demander de... Hein, banco. Voilà. Donc, au final, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ces magnifiques Ito? Ils ont réussi à la faire fonctionner avec un contrôleur, enfin deux contrôleurs, hein, parce que deux moteurs, donc deux contrôleurs, et avec une seule batterie dans le deck. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo où j'avais boosté une Ito, je l'avais montée en bimoteur. J'avais même fait comme toi, où on avait modifié une Ito avec du mini motor dedans. Seulement moi, je ne suis pas aussi calé qu'eux. Et mon Ito, j'avais des gros problèmes sur le frein électrique. Et au final, je faisais tout passer par une seule batterie et ça coupait. Mais Ito Espagne modifie pas, elle ne fait pas que rajouter un moteur en fait. Il y a deux contrôleurs, mais elle modifie aussi la batterie. Comme je vous dis à chaque fois, il ne suffit pas de rajouter un moteur pour gagner en puissance. Il y a tout le reste qu'il faut bien étudier, prendre en compte pour que la trottinette fonctionne correctement sans aucun souci et sans problème de SAV. Donc en plus de rajouter un moteur, de modifier les contrôleurs, ils ont modifié le BMS de la batterie pour qu'il n'y ait pas de souci de décharge. Parce que deux moteurs, ça tire beaucoup plus, ça consomme beaucoup plus. Donc souvent les batteries, il y a le cut-off. Ça se coupe et elle tombe en panne. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est un produit fiable, léger.
Elle fait combien de kilos avec le deuxième moteur et votre batterie? 15 kilos. 15 kilos. 15 kilos et la batterie c'est 48 volts et 15 ampères. 48 volts, 15 ampères. 15 ampères. Et ils arrivent à mettre deux contrôleurs 48 volts, 15 ampères. Je me rappelle au début des Ito, on avait une 10 ampères, 36 volts, 10 ampères, on était génial. Ito France nous disait on est au maximum de la capacité, on va jamais pouvoir faire plus, mettre plus d'ampères. Mais là, eh banco, 15 ampères, vous imaginez l'autonomie que vous allez avoir ça, et en 48 volts. Donc déjà, deux moteurs, le voltage plus important, donc plus de nervosité, plus de vitesse de pointe, et 15 ampères, l'ampérage, je vous rappelle, c'est ce qui fait l'autonomie. Donc vraiment, banco, vous la vendez combien cette Ito en Espagne? Elle est vendue à 1899. 1899, moins 20%, c'est intracommunautaire, hein, si vous êtes société. Mais il y a très très peu de personnes. Mais 1899, franchement, je vais être honnête avec vous. Je vous dis à chaque fois, est-ce que ça vaut le prix, est-ce que ça vaut pas le prix? Ça vaut le prix. C'est la trottinette bimoteur la plus légère que je connaisse. Avec une batterie 15 ampères, c'est un peu comme une Mini 4 Pro. Comme une Mini 4 Pro, donc une très très bonne autonomie. Compacte. Vous allez pouvoir en mettre facilement 2 à 3 dans le coffre, rentrer dans les boulangeries, à Leclerc ou n'importe où, très très facilement. Donc voilà, oui, elle vaut le tarif, il y a du travail derrière. Il y a deux contrôleurs, et puis voilà, c'est ce qui se fait de plus compact en trottinette. Ça se porte facilement. Le fait qu'elle ait deux moteurs, elle est super bien équilibrée. Franchement, c'est le top. Alors, je vous recommande surtout cette trottinette, dès que vous faites plus de 80 kg, avoir deux moteurs quand on fait plus de 80 kg, si chez vous, vous avez beaucoup de montées, c'est très important pour franchir ces montées et pas arriver en sueur au travail. Donc je vous mettrai dans la vidéo le lien de Ito Espagne, le lien direct pour acheter cette Ito bimoteur, tout aussi dans la description de la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être venu aux Electric Games, franchement bravo. C'est super. C'est super, hein. On a la banane, on s'est éclaté. Moi c'est la première fois que je viens aux Electric Games, vous aussi? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Il y a une ambiance de ouf, il y a beaucoup de wheelers, de skaters. Il y a bientôt la remise des prix pour les compétiteurs. Vos envies en France, parce que ça, on a pas ça en Espagne. Hein. Ah, mais ça va se développer. Ça va se développer. Nous, on va essayer d'en mettre régulièrement en place. Ouais. C'est compliqué l'électrique. Il y a encore tout le lobby thermique qui est même en place, les voitures, etc. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Bon, et bien sûr, comme d'habitude, hein, vous êtes habitué à mon code promo chez Fast Ride. Et ben maintenant, vous allez pouvoir l'utiliser aussi chez Ito Espagne. Il va suffire de taper le code JeffRide tout en majuscule et vous aurez droit à moins 5% sur le site Ito Espagne. Wow. C'est pas magnifique? Super. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu. Je vous dis ciao. Merci. Ciao. Merci. Allez, bye bye. Du poulet. Oh. Avec sa dégueu. Hey, ils sont au calme. Voilà. Wouh. Let's go. Oh, on penche bien comme ça. Oh, ouais, ouais. Et la roue avant. Ito GT. Origine? Doit GT. Stock? C'est un GT originel, mais nous, okay. Nous on fait le deuxième moteur derrière, batterie de 15 ampères. Ah, double moteur. Ok. Ah, c'est bien. Il est 400 watts. Bonne sensation. Ouais. Ah, bonne sensation. Ok. Ouais, bonne sensation. Ouais. Good break. Ouais, bien sûr. Là, j'ai eu peur là. Ouais, ouais. Quand tu regardes.